Bonjour, Equitalion, et nous sommes avec Julien Sermet. Julien Sermet, donc, qui est très impliqué dans le western en Rhône-Alpes. Et pour 2015, ça va aller bien au-delà de Rhône-Alpes, puisque Julien se prépare à organiser les championnats de France d'équitation western. Alors, Julien, d'abord, ce championnat de France, ce sera où et quand ? Alors, le championnat de France sera organisé les 19 et 20 septembre donc 2015 dans les écuries SQH, donc à côté de Bourgoin-Jallieu, dans l'Isère, donc à 5 km de Bourgoin-Jallieu. Donc, ces écuries, c'est les vôtres. Alors, expliquez-nous un petit peu ce que vous y faites au quotidien. Ouais, c'est un centre d'équitation western où sont pratiqués de l'entraînement, de la pension et une école d'équitation western aussi. Voilà. Et comment est-ce que vous êtes arrivé à ce projet de championnat de France ? Tout simplement par une idée qui a été lancée il y a déjà 3 ans au sein de la commission Western Rhône-Alpes avec notre responsable Guy Magnien-Robin. D'essayer d'organiser ça en Rhône-Alpes, étant donné qu'on est une région, enfin, on est la région la plus représentative en cavaliers, en nombre de cavaliers western qui pratiquent les compétitions dans le circuit FFE. C'est une idée qui vient à la base de toute l'équipe du comité le souhait de réaliser ce championnat date déjà de 3 années. Donc on est tous fiers et motivés pour organiser ce championnat. Ça part, c'est pas que les écuries SQH, c'est aussi toute l'équipe du comité qui est motivée et qui va participer. Ça devrait réunir combien de compétiteurs à peu près ? On espère le plus possible, parce que jusqu'à maintenant, les compétitions, les championnats étaient assez loin, donc soit à Paris, souvent dans la région parisienne. Donc on espère réunir un peu plus de cavaliers par rapport au fait que le plus grand nombre se trouve dans la région Rhône-Alpes. L'idéal, ce serait de dépasser les 100 départs, je pense qu'on devrait y arriver. Parce qu'il faut dire que l'équitation western, c'est multiple en fait. Parlez-nous un petit peu des disciplines qu'on pourra voir pour ces championnats. Alors le championnat représentera toutes les disciplines reconnues par la Fédé, enfin par la FFE. Donc on aura le showmanship, le horsemanship, le trail, le western pleasure, le western riding, le reining et les épreuves de vitesse, donc le barrel et le pole. C'est vrai que c'est une équitation très diversifiée avec des disciplines relativement différentes les unes des autres. Et lors du championnat, toutes ces disciplines seront organisées. Et bon, ça sera presque dans un an, alors on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais on peut espérer avoir des Rhône-Alpins sur les podiums. Oui, on va faire en sorte et les équipes se préparent. Voilà. Pour dire qu'en fait, l'équitation western en Rhône-Alpes se porte bien. Oui, tout à fait. Il y a pas mal de centres qui fonctionnent bien avec les enfants, avec des adultes, en compétition ou simplement en loisir. Mais le western en Rhône-Alpes est relativement dynamique. Donc rendez-vous en septembre 2015 près de Bourgoin-Jallieu. Voilà, avec plaisir. Merci beaucoup.